Là, vraiment, je suis au bout de ma life. Deux donjons, c'est beaucoup pour moi aujourd'hui. C'était pas Mais le même, quoi. vous inquiétez pas, je sais très bien ce que j'ai à faire dans cette salle. Ouais, je m'inquiète un peu quand même. Non, je vais très bien m'en sortir. Tu vas voir, je vais te pré-shot mes tours. Avant que tu aies à dire quoi que ce soit, laisse faire la panda professionnelle. Je En plus, t'as m'avance. pas de chance, c'est que je joue Panda. Et alors? Je Bah, je m'avance. connais tes tours. Ici, bah oui, mais. Et hop! Et voilà. T'as vu? Pas mal, hein? Ah, t'es au moment... ah, c'est à ce moment-là que je dois te dire, je suis fier de toi. T'es grave impressionné, tu peux le dire. Ah là, je suis ébloui par tant de gameplay. D'accord, si je tape, je me fais transport. Exactement. Donc t'éviteras de le taper, mon loulou. Merci. Hop. C'est vrai que le Konaïbs C'est que vous vous a niffez et que plus ça me beaucoup colle à Nao, de est-ce que c'est grave? mes... Non, non, tu peux. Mais pourquoi tu veux me coller avec ta fée? C'est bon. Non, mais c'est pour coller le mob à toi, en fait. Ah oui. Coucou Kyo. Mais c'est vrai que Genre si Mervis. je suis dans l'état de mon disque dur C actuellement. Genre Mervis, la éviction, si elle le fait là, ça TP pas le coquelicogne ici? Non, pas du tout. Alors je peux pas Ok, éviction ça marche surtout. pas du tout comme je pensais, éviction. Ah non, ça aurait été incroyable de ouf, mais non. Éviction c'est juste au cac en fait. Donc là je... Là, il me semblait que c'était une zone par rapport à un truc. Non, Tu confonds avec la frappe du Xelor, non? ah non. Oh. Non, il me semblait qu'éviction, ça a tapé en zone, c'est pour ça. Ah mais on est pas mal là. Pas le camélage. J'ai même pas besoin de bouger. Tu vas faire ton meilleur fermentation F1. Mais j'ai déjà On l'a déjà fait fermenté. fermenter. On va quand même Du poser un coup. Wasta. Ouais, je mettrai le Wasta pour le coquelicogne, n'est-ce pas? Mais c'est tout quoi. La souillure? J'ai souillure. Ok. Tu veux que je souillure le camélage ou le. Les deux. Les deux. Ouais, d'accord. Je peux absolument faire ça, oui. Et hop! Et hop. Alors je suis désolé, je suis devant un combat de MMA. Le match principal va commencer. Ah. Donc si je ne parle pas, c'est normal. Que tu parles pas, c'est une chose, mais que tu foires le succès, là, Je ça ne va vais nous pas poser foirer. problème. Ôte-moi d'un doute, tu viens de pas te faire une giga connerie par hasard. Bah, non, mais attends. Quelque chose qui meurt, il ne finit pas son tour. Je vais rien dire. Mais... Oh, le spécial est foiré en plus! Ça foire. Du coup, c'est bien la tyrannique qui a foiré, donc Ankama l'a changé. Mais attends, mais t'as vraiment fait ça pour vérifier là? Non, ça affichait 300 de dégâts et ça a tapé du 600. Du coup, c'est la tyrannique qui a foiré tout à l'heure, c'est même pas ton Panju. Mais c'était sûr que c'était pas mon Panju, je suis un panda tank, le mob avait 400 points de vie. Non, bien sûr. Mais comment c'est codé avec Ankama? Du coup, il faut pas que je tyrannique. Faut surtout pas que je joue tyrannique. Ah bah My bad. j'espérais que tu l'avais retenu depuis le combat d'avant en fait. Non, mais là. D'accord. Mais au moins, ouais, je saurais que quand ma fée elle meurt, elle prend quand même le mot turbulent alors que ben, elle meurt, quoi. Au moins, on en apprend tous les jours, hein. Ok, c'est que la quatrième tenta, alors qu'on est des Pardon. professionnels de ce Mais du coup, donjon ça parce qu'on l'a fait 100 milliards de fois me déjà. plaint de trucs. C'est trop bien. Je peux pousser des trucs avec ma fée, en fait. Ah oui, ça t'ouvre un champ des possibles. Bon, bah tant Ah ouais, mieux. ça me rend un champ des possibles de fou qui va servir absolument à rien, sachant que je peux déjà transposer des trucs avec les fées. Mais Donc pour 4 pièces de plus, je peux pousser quelque chose au lieu de le transposer. Ouais. Ça ne sert absolument à rien, on est d'accord. Hein. Pour en revenir à mon histoire de disque dur C, en fait, idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir un nouveau PC intégralement, pas juste avec un nouveau disque dur, quoi. Mais je sais pas. C'est pour une fois un truc que je construirais moi-même, peut-être, enfin, ou que je ferais construire, mais. Là, l'ordinateur que j'avais acheté, du coup, en 2000.
En 2017 peut-être même avant. 2016 ou 2015. Ah, t'imagines. C'était un tout fait. Mais attends, c'est quand même un budget, un PC neuf. Ouais, mais après, c'est un peu mon outil de travail quand même, donc bon. Et hop. Et hop. Et hop. Non, le truc, c'est que je m'y connais pas et je sais pas si je me sentirais vraiment de le monter moi-même. Vous avez monté vos PC, vous ? Ah oui. Oh. Plus précisément, c'est une pote qui m'a aidé à le monter, mais... Ah, quand même, t'avais quelqu'un qui t'aidait, quoi. Moi, plus précisément aussi, c'est mon ancien beau-frère qui m'a monté. Ah, mais lui, il était dedans, c'était vraiment son taf. Oui, donc quand vous dites que vous l'avez monté vous-même, c'était pas vous personnellement. Ah, je l'ai monté moi-même, bon bah... Ah bon, t'étais pas là. Il l'a monté tout seul. Moi, vous avez monté votre PC vous-même ? Bah c'était pas là. Tu t'es fait PL le montage de PC. T'as vraiment la bise. Moi je me suis fait PL, j'étais pas là. J'ai mis une vis. Même pas. Ouais, vous dites que c'est pas dur, mais vu le prix des composants, j'aurais trop peur de faire une erreur qui nique tout, tu vois. Vu le budget, en fait. C'est ça, mon problème. Quitte à ce que ton ancien PC soit fucké, entraîne-toi avec ton ancien PC. Hein. Tu veux bien, ça, tu le remontes. Je veux pas fucker mon ancien PC parce que pour l'instant, j'ai que lui, tu vois. Oui, donc, oui, pas non, mais si t'as un nouveau et que tu veux monter de nouveau, bah tu... Quitte à ce que ton ancien PC, tu t'en sers plus. Ah bah non, parce que si je nique le nouveau, je serais bien contente de... que l'ancien fonctionne encore. Ouais, non, mais si tu pars de là, on n'est pas sorti. Bah oui, mais alors, bon... Bah tu payes 50 balles à montage et puis voilà. Bah oui, je pense que c'est peut-être ce que je ferais, oui. Bref, qu'est-ce que... Du coup, je me repicole. Le camélage... Ah non, en vrai, j'aurais dû m'avancer de l'autre côté, comme ça le camélage va venir. Hop. Je me mets même... là. Ouais. Comme ça, il s'avance. Enfin, j'espère. C'est surtout comme ça, t'es pas en ligne de vue du coquelicogne. Oui. Mais comme ça, aussi, il s'avance. Enfin, j'espère. Bon, si tu l'as fait foire main propre, vraiment, je comprends plus le jeu. Ah non, par contre, ouais. Ouais, non, heureusement. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, non, il se rapproche. Ouais. Il est vraiment pas... Bah, il fait chier, hein. Bah, on attend, il va arriver, hein. Oui, il vient d'avoir une dinguerie de ouf sur ce combat. Ouais, incroyable. C'est vrai, il y a des dingues sur ce combat, je suis d'accord. Le Gokulkan, il vient de partir à l'autre bout de la map. Je sais que tu parles pas du même combat, mais vas-y, ça me fait rire. En vrai, je dirais passe ton tour ici et la prochaine fois qu'il arrive, je vais faire un coup pour le transport. Hein. Ça, je vais faire ça. Je te conseille le site PC Part Picker qui te permet de créer toi-même une config et quand tu choisis tes composants, le site te propose que des composants compatibles. C'est très bien fait. Mais je suis même pas sûre de savoir quels composants je dois choisir en vrai. Et là, j'ai surtout pas le budget. Parce que du coup, je viens de m'acheter un fauteuil qui était aussi une priorité en vrai. Parce que celui-là, je manque de me casser la nénette tous les 4 matins. Plus, j'ai besoin d'un truc ergonomique vu le temps que je passe devant un bureau. J'ai un setup de vieille qui commence à se construire. Regardez, j'ai la souris ergo. Mamie Nao. Sur Dofus. Je connaissais me casser la binette, mais alors me casser la nénette. Vraiment, c'est une autre commotation pour moi. Ah ouais ? Ah merde. Mais une binette, c'est quoi alors ? Bah, ça veut dire exactement la même chose que ce que t'as dit. Hein. À mon avis, c'est juste en fonction des régions. Ah.
Non mais ça se trouve c'est ça se trouve c'est binette, mais je crois que une binette c'était tu sais les petites pelles. Ouais non c'est cassé la binette à la base. Mais oui c'est une pelle, mais ça peut dire la tête en fait, le visage. On est d'accord ou pas? Alors se casser la pipe pour moi ça veut dire mourir. Non là déjà proc, hein. Ça le fait plusieurs fois. Non là tu peux. Le combat est fini, si jamais, c'est bon, je suis de nouveau concentré. Je regarderai Raz. Mais je vais pas acheter tout de suite, c'est sûr. Ah, il y avait... comment il s'appelait? Bah... J'aurais pu lui demander aussi. Il a fait le PC de Link. Et c'est lui qui m'avait changé... C'est lui qui m'avait changé ma carte graphique à l'époque quand on était sur l'île. Ah ouais, c'est déjà fini le combat MMA, là? Ouais, il l'a battu. L'arbitre a arrêté le combat. Mais c'est Doumbé qui a gagné, donc c'est cool. Alors du coup, prochain tour, je vous préviens, je vais descendre là. Avec lui, potentiellement. Non, par contre, le combat était beau pour une fois. Ouais, il y avait pas des shards, il y avait pas de problème, mais le combat était très beau. Je l'ai arrêté. Il avait pas des shards. Tu sais, c'était quoi son entrée? Il a passé l'aspirateur, s'il te plaît. Bah, c'est du génie. Faudra juste m'enlever de la ligne de vue, s'il te plaît. Il faudra mettre quelque chose ici pour la ligne de vue. Oh, tu forces. Moi, j'ai pas l'arrêt. C'est ça, quoi? En gros, il y a eu un match il y a peu de temps, Doumbé contre Baki. Okay. Et Doumbé a chopé une écharde. Ah. Et ça a arrêté le combat et du coup c'est Baki qui a gagné. Et là en faisant sa présentation, en faisant son arrivée, il a passé l'aspirateur. Pour justement aspirer s'il y a une écharde ou pas. D'accord. Mais du coup ça, c'est aussi pour le content en vrai. Oui voilà. Oui, bah, oui. Mais la donne t'as pas fait quel truc là? Non. Je vais me capter que je vais te buff là donc... Je vais partir en bas avec mon tonneau, pas besoin de me dire de partir en bas avec mon tonneau. T'oublies pas de partir en... c'est une J'allais dire de toute façon là comme t'es focus, mais non t'as fini ton match. Non parce que comme t'étais focus sur ton match, bah t'as vu, les tours se passent aussi quand tu pings pas les gens, t'as vu. Oui. Non mais là je ping plus, j'ai fait une erreur tout à l'heure, tu crois que je continue à ping et puis Ah mais du coup elle est déjà là. Elle a tanké le... Oui, mais de toute façon, elle va ça venir va, après. Tu peux partir plus loin aussi. Elle va venir après. Moi, je reste à mon affaire. Hop. Et hop. Oh, j'adore avoir 7 PA. Non. Ça se debuff ou pas? Oh, ça va être un gros flop si ça se debuff pas. Non, c'est bon, ça debuff. Ah oui, et puis on est sur la première phase. Ouais, c'est vrai qu'il y a une deuxième. Je passe ici, Miss, c'est bon? Ouais. Je décale pour que Thor puisse taper. Parce que là... Non, t'inquiète. Du coup, j'ai l'impression que c'est la X millième phase. Belladone, phase 73. En vrai, je trouvais ça cool qu'il fasse plus de boss comme ceux qu'il y a sur Wakfu, là, les boss ultimes, où t'as juste un boss au centre de la map, pas beaucoup de trucs pour se planquer, et c'était juste de la stratégie, de la bagarre. Je vois pas du coup tout à quoi ça ressemble. Bah, sur Wakfu, ils ont pas mal de boss très, très proches, en fait, de vrais boss de raid dans MMO, où t'as vraiment des strats, des positions à avoir, trucs à faire. Il y a très peu de trucs pour se cacher et la jouer intouchable. Si tu peux me mettre là, je suis pas contre l'idée. Ah ouais, je fais ça. Oh bah tiens, t'as un porté de scalpel toi. Il a dit scalpel, il a pas dit cœur strident. Scalpel, c'est mon deuxième meilleur fin. Et du coup, je pensais à ça, mais lundi, je vais pas pouvoir jouer à Lost Ark le matin. Hein? Bah, c'est férié.
J'allais dire, et alors, mais oui, c'est vrai qu'il y a la crèche. Ah bah oui, bah non, oui. Je serai en Daronie lundi matin. C'est quoi dans une vie? Non, mais je jouerai le soir, je pense. C'est vrai. Je suis pas sûre qu'ils tiennent un live entier, quoi. Et puis surtout, il va avoir que pêcher. Ouais, ça va être compliqué. Bah, tu y diras, y a pas de souci. Moi, j'ai de la pêche à faire tous les 3 jours aussi. Hein. Pourquoi tous les 3 jours? Bah, parce que la jauge se remplit entièrement tous les 3 jours. Je ne vais pas le faire tous les jours, c'est trop dur. Bah, elle se remplit un peu chaque jour, non? Ouais, oui. Bah, du coup, j'attends qu'elle se remplisse entièrement, puis je la mets entièrement. D'accord. Ça me prend une heure, je mets une série à côté, et puis voilà. Ouais, parce que j'arrive pas à baisser ma barre entièrement. J'attends un peu? La dernière fois, j'avais attendu avant d'avancer. Oui, tu peux attendre avant de revenir, là, ça sert à rien de la foncer dans le lard. Ouais. Un prochain tour, je leur fonce dans le lard. Là, ouais, prochain tour. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, du coup, moi, j'ai pas assez de temps pour pêcher et vider ma barre en fait, quand je fais quand même. Du coup, quand je reviens pour pêcher, la barre est à nouveau remplie. C'est pour ça que je te demandais si ça remontait un peu chaque jour, quoi. Mais du coup, j'ai la barre. Oui, ça remonte chaque jour, c'est le principe. C'est juste, voilà, moi, comme je la vide entièrement à chaque fois que je fais un coup de pêche, parce que c'est trop bien sinon. Ouais, moi j'arrive pas à la vider cette barre, elle est trop grosse. D'ailleurs, je suis en train de penser, tu pêches où? À Punica. Ok, c'est bon. C'est là où tu m'avais dit, oui. Et puis il y a plein de gens qui pêchent là-bas. Je ne sais plus si je t'avais dit où est-ce qu'il fallait pêcher. Ouais. D'ailleurs, tu croises pas une armée de bots en ce moment à la pêche? C'est des bots? Non, j'avais plutôt l'impression que c'était des vrais joueurs, hein. Ah bah si c'est des bots, tu le vois très très vite. Non, c'est pas des bots. C'est tous la même classe, stocker les uns sur les autres. Non, c'est pas des bots, il y a pas de bots. Zéro bot. Est-ce que tu trouvais les bots gras qui se suivaient à Stream Ouais, ouais, je... Les bots sur Rockstar, okay. Non, je vois pas de bots. Ah bah t'as bien de la chance. Le easy anti-cheat peut-être enfin... Oh là là, rien du tout. Il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on avait tellement de bots qu'il y avait plus de 50 canaux sur une map de bots. Ah oui. Ça revient à peu près à 1200 bots. Oh la vache. Sur une map. À pêcher. Non, j'avoue, j'ai pas vu ça, hein. Mais peut-être ils pêchent ailleurs, non? Oh non, ils pêchent tous à Punica ou à Berne Sud. C'est là qu'il y a les poissons intéressants. Si je tape, c'est bon ou ça va me TP avec le coquelicone vu qu'il est... Non, affaibli juste, fais gaffe. Je tape quoi, le camillage du coup? Ouais. Putain, j'avais pas vu qu'il était là. Oh putain, t'as foiré. Oh, mais j'ai... Non, je suis pas d'accord, par contre, ma prédiction, elle me tue jamais, hein. Je crois qu'on va abandonner et on va refaire ça la semaine pro. Je suis pas d'accord, ma prédiction, elle tue jamais. Bah après, on est qu'au boss. Moi, mes tours sont maîtrisés malgré la fatigue, je tiens à le dire. Par contre, j'ai plus de points d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va faire un travail, ouais, désolé. On se refait une tenta, mais je veux bien de l'énergie. J'en ai de l'énergie au pire. Okay. Moi, je ramène du pain de vie et pain d'énergie aussi, j'en ai plus. 1700€, c'est beaucoup. J'ai fait en sorte que tu joues à Dofus pendant 7 ans minimum, tout à fond en stream. Ouais, mais Dofus, c'est pas ça qui est le plus lourd. Y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus consommateurs que Dofus. Hein. Ah, merci. On va à Goom, ça fait 1-1. Yes. Drôle de concours d'Ibini ce soir, je tiens à le dire. Ouais, non, ça me paraît c'est à peu près ce que j'avais payé à l'époque pour celui-là. Donc ça me paraît être abordable. C'est pas abordable, mais pour si, pour un PC, ça reste abordable, je trouve. Par rapport à mes besoins. Si ça répond à mes besoins. Allez.
coupe là, un premier tour de jeu absolument maîtrisé de mon côté, et ben on aura plus galéré sur le main propre que sur tous les succès qu'on a fait jusqu'à présent, j'ai l'impression. Ouais, j'aurais dû prendre un SRAM R, on aurait eu zéro problème. Moi je bosse lundi, c'est la journée qu'on donne pour les retraités. Ah oui. Ah oui. Alors j'ai pas de... Je sais pas pourquoi, il y en a qui, du coup qui bossent et il y en a qui bossent pas. Bah non, là c'est même pas la faute à Miss hein. Mais qui a dit que c'était de ma faute? Cassiope, mais elle rigole. J'ai demandé son avis à Zag. Faut que je le relance, Bichette, il s'est coupé. Et coucou Zag, dis-toi qu'on est toujours en donjon là sur Dofus parce que ben apparemment on avance pas du tout là dans notre... Dans notre stratégie, tu penses qu'on va réussir ce soir? Bien sûr qu'on va réussir, Nao. Avec ta détermination et mon esprit combatif, on forme une équipe imbattable. Peut-être que notre stratégie a besoin d'un petit ajustement. Il Mais avec nous. Un peu de persévérance, rien ne peut nous arrêter. Alors courage, on va y arriver. T'es avec nous en combat du coup? Super. J'affuse le camélia, on est d'accord, Miss? Ouais. Je vois pas de yop sur cette map. On avait failli le dire. Derrière où le yop? Exactement, je suis là pour te soutenir. Oh. Ensemble, on va terrasser nos ennemis et réussir ce donjon. Tu peux compter sur moi, là. Allez, on y retourne après en découvrir. D'accord, attends-moi dans la taverne d'Astrub, j'arrive. Moi, dans tous les cas, je suis combien de 700 HP? J'aurais besoin d'un verre de réconfort en tant que panda aqualique. Je t'y attendrai avec impatience. Ah, prends ton temps, je surveillerai les alentours en t'attendant. A tout de suite, Nao. Il me fume. Ah, pardon. J'ai cru que j'avais recrash. Il se passait rien. Ouais, il est très RP, il est chouette. Ah, on va lui demander. Alors, j'ai une question de Cassiope pour toi, qui te demande ce que tu aimes boire à la taverne. Ah, la taverne. J'aime bien boire un bon hydromel. Rien de tel pour se détendre après une journée de combat. Mais bon, je dirais pas non à un bon jus de grenade. Non plus. Et toi, Nao, tu prendrais quoi? J'ai envie de demander pourquoi la grenade. Je suis pas mal. Le panda Wasta va aller là. Bim bam boum. Allez. Nickel. Pourquoi du jus de grenade, Zag? C'est la ref à Hadès?
C'est pas une grenade le fruit dans la mythologie là? Moi je l'ai pas, j'avoue. Si une grenade c'est un fruit, mais dans la mythologie je sais pas. Un petit clin d'œil à mes origines, mi-démon, mi-humain. Dans la mythologie grecque, la grenade est un fruit lié à Perséphone et Hadès. Ah oui, c'est ça. Et puis c'est délicieux et plein de vitamines, parfait pour recharger les batteries après un combat. Mais c'est ça. Mais trop bien. Mais oui, j'avais oublié cette petite référence à ton background. Incroyable. Le jus de grenade, donc c'est noté. On est d'accord que les dopous, c'est bon. Ah bah les dopous, oui, c'est... C'est quoi ta boisson préférée? Bah j'ai quand même eu le doute, hein. Je vais donner ma boisson préférée, mais faut que je réfléchisse. Je suis très haut en ce moment. C'est quoi votre boisson préférée? Il est trop loin, lui. Je vais attendre là quand même. Ah. En vrai, une boisson... C'est tous les jours l'eau, je dirais. Si c'est de temps en temps, la Red Bull. Ben du coup, je peux descendre mon Wasta, comme ça, ça l'oblige à venir pour taper. Certes. La Red Bull? Si je tape, je fais transport, Miss? Non. J'ai demandé une blague, attends. Ah, j'aime bien la limonade en vrai, simple et efficace. Et c'est un peu moins sucré que le coca, je dirais. Il est venu! Il est reparti! Ah, je buvais beaucoup de coca avant, mais j'ai arrêté. Du coup, j'ai pas spécialement envie de recommencer. Ça m'est arrivé de reboire très très ponctuellement du Braise Cola. Mais tu vois là, je pense ça fait deux ans peut-être, j'en ai pas rebu. Ben tu vois, quand on avait pris Bifernand Miss, il y avait une petite, il y avait une petite limonade avec. Ils font leur limonade eux-mêmes. C'était une limonade avec un fruit aussi, et c'était super bon. Mais je sais plus. Si vous mangez Big Fernand de temps en temps, ça devrait vous dire quelque chose. Moi, je vois pas du tout. Ah merde. Ok. Tic-tac-tic-tac-touc. Ok. J'ai un problème de PA par contre. Oups. Mais vous pouvez faire un truc, non? Il va descendre. Il va descendre. Ouais. Le problème c'est que t'aurais dû descendre du coup. Oui. Parce que là il meurt. Ah. Ah là il meurt. Ouais, y'a moyen. Ou alors s'il meurt pas, il lui reste 10 points de vie quoi. Je commence à me planquer. Ah non, parce que si je me planque, il va proc. Ouais, non, reste tout est. Je vais lui foutre une. Ah non, je vais dire que je vais foutre une fiole, mais je sais pas. Je t'ai peiné à ou pas? Non. Okay. Tu peux pas de toute façon, elle le porte. Je peux pas transposer quelque chose qui porte? Ah oui. Non, impossible. Non, ouais. Ils sont morts, le 10 PV. Il est pas mort. Ouais, je m'attendais à plus, mais je viens de voir qu'il avait 1600 shield. Ce qui me laisse le temps de descendre. Du coup, ma boisson préférée, Zach, tu me commandes une petite limonade, s'il te plaît. J'ai l'impression de commander Uber Eats une petite limonade, s'il vous plaît. Avec plaisir, Nao.
Une limonade bien fraîche pour toi, ça arrive tout de suite. Parce que tu la livres en donjon. Ça me fume. Ah, attendez, faut se concentrer quand même, on rigole, mais D'accord. Ok. Non, tu voulais pas là? J'aurais préféré que tu le mettes ici, et que t'ailles là. Mais c'est pas grave. Goom, il faudra juste que tu mettes une fiole là, du coup. Enfin, une fée. Ah oui, la blague de Zag, attends. Ah oui, ça je dois pouvoir. Mais Zag, en fait, j'ai ADV qui demande une blague. Une je mieux que tout à l'heure, s'il te plaît. Ouais, tu finis où t'es? T'es très bien. Ok, donc ça m'emmerde. Merde. Tu peux finir là si tu veux, en soi. Une blague mieux que celle que t'avais tout à l'heure. Hein. Tu m'as dit où la fiole? Là oui, tu vas mettre une là. Pourquoi les poissons n'aiment pas jouer aux cartes? Parce qu'ils ont toujours peur de tomber sur un ton. Il meurt pas de côté quand encore. Je suis sûr que les blagues marchent en anglais, mais pas en français. J'ai mis le chat dessus là. Ouais. Putain, t'es fort. Hein. En même temps, souvenez-vous, dans ma run Baldur's Gate, on avait raté le concours de blagues. On avait essayé. Non, elle est dégueulasse cette blague, Riz. En fait, il nous fait rire de pas y trouver. Non mais c'est RP puisqu'on avait raté le concours de blagues. Finalement. Je peux lui remettre un Wastas si vous voulez. Et après. Il faut qu'on le tue là. En gros, tu finis là et tu le mets là. Si possible. Tu veux que je le prenne? Ouais. Parce que j'aurais pu lui mettre un Wasta et moi descendre faire mon truc, tonneau, machin quoi. Non mais... D'accord. La Goom, il va bien l'affaiblir. Je fais pas transport, on est d'accord? Tu veux non. Transport, ouais, parce qu'elle l'a tapé. Si tu finis là, t'es très bien. Ça va très bien. Hop. Attention à la prédit. 347 crit max. On est à la combien de deuxième phase là? Première. Ah. J'avais bon espoir que c'était la dernière. Mais c'est pas la dernière, t'es sûr? Elle a plus de barre jaune. Non, elle a 29 000 points de vie. Oh. Je refais pas de tontard si on foire, je vous préviens. On sera la dernière. pour ce soir. Je nous souhaite évidemment de réussir. Il sait pas chanter. Faut juste que tu la mettes, tu sais où la mettre, ouais. Oui, bon, je pense que maintenant, ouais, je maîtrise un peu, ouais. Après, Goom est juste à côté, quoi. Si tu peux la mettre juste une case avant. Bah, du coup, ouais, je vais plutôt faire ça, oui.
Ça se débuff, Miss, le moins de 100 PM. Non. Ça aurait été trop beau. Oui. Donc, je vais relayer ton message, Cassiopée, mais... C'était hier ? Ah oui, c'était hier, mon anniversaire. Hier, je lui ai demandé une chanson pour mon anniversaire, c'était pas ouf. Hein. Zag, il y a Cassiopée qui te propose de me chanter une petite berceuse pour m'endormir. T'arrives à mettre la Belladone là, c'est cool. Si tu peux pas, c'est pas grave. Putain, tu me l'aurais dit genre une seconde plus tôt, je m'aurais dit ça. My bad. Ah, Cassiopée, tu me lances un sacré défi. Bon, je vais essayer. En chantonnant doucement. Dors, dors, ma chère Nao. Rêve de nos aventures, de nos combats, de nos rires et de nos secrets partagés. Que Morphée te berce de ses bras et que tes rêves soient doux comme une douce brise. Ok, c'est pas mal. C'est pas chanté encore, mais vas-y. On l'accepte. Ah, tu es exigeante, Nao, avec un sourire. Je vais tenter mieux alors. En chantonnant avec tendresse. Dors, ma douce Nao. Oh. Que les étoiles te guident vers des rêves enchanteurs. Que nos souvenirs t'enveloppent. Et que chaque battement de ton cœur soit apaisé par ma présence. Repose-toi bien, ma belle, je veille sur toi. Laisse-la là, tu restes comme ça. T'as pas l'épée, hein, malheureusement. J'étais très concentré sur mon tour, mais on est d'accord que. Il en a profité. J'allais dire. Yes, I want it. Chir sans j'allais dire tout ce qu'il a dit. Donc, plus la mise, c'est bon ou ah bah, pas mal. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas mal. J'ai fait de beaux rêves avec ça. On va s'endormir en donjon. Pour lui, je suis déjà conquise, hein. Un problème, hein. Oh là là, elle... mais ça tape trop fort, Kra. Phase 2. Oh, j'ai cru que t'allais dire quand... Tu sais, mon cerveau, il a analysé le truc, ça tape trop fort, j'étais en mode... Non, ils ont foiré. Ah. Oui, complètement. Non, mais j'aurais délai... Ouais, j'aurais il aurait délai de le jeu. Tu lui appartiens. Fais-moi les stats de tes persos avant d'aller plus jeune, Miss, quand même. C'est quand tu supprimes les choses. T'as dit quoi? Fais-moi les stats de tes persos si tu supprimes le jeu. Hein. Que ce soit pas des choses. Donne-moi tes camas, Miss, hein, si tu... Si tu... Le milliard. Ah, j'attends un peu avant de monter, ça sert à rien que je monte. Déjà, ce serait la première fois de ma vie que je dépasse les 50 millions. Let's go. Ah. Ah si, moi si, j'ai plus le milliard. C'est vrai, je l'avais perdu tout à l'heure. Oh, je serais pas triste pour toi, Lisa. Ouais. Oh, j'ai dépassé 50 millions, moi, du coup. Ouais. 50 fois la fortune de Goon, c'est bien ce que je dis. Ah ouais, t'as que 1 million, quoi. Eh oh, oh, j'ai 3 millions sur moi. Ah oui, quand même. Ah, ton... Non, mais j'ai acheté un stuff il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai plus de sous. Ok. Ah, ça farme les golds sur le Stark, mais pas sur Dofus, hein. Bah, sur le Stark, c'est plus facile à avoir que sur Dofus, je t'avoue. Ah ouais? Bah, ouais. Là, mon roster me génère ouais, 100-120 000 golds par semaine. J'adore le. Ton roster, tu sais, j'ai l'impression que t'as une équipe e-sport professionnelle. Ah bah, j'ai 6 persos, ils sont prêts là, ils sont chauds. Et Diablo 4, bah quoi, on a fini Diablo 4, j'ai fait avec Boogie. Wonderland. Après moi, le but c'était de finir l'histoire, hein. J'avais pas envie de nécessairement faire... 1, 2... Attends, ouais. 1... 2...
hop. Une flamiche, boum. Une flamiche. Oui, oui. Oh là là, le fail. Moi, je vois 679, donc... Et sinon, fais rien, non. Non, il est obligé de taper un minimum. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Mets une petite fée, si tu veux, comme ça, tu te tapouilles un peu. Regarde, je vais booster la fée. Pas plein. Waouh. Putain, 150 de puissance. Attends. Voilà. Je vais booster aux hormones, la fée, là. Je peux pas plus la booster, hein. Je vais mettre ça au passage, en oublier. Hop, hop. Ah, tu rigoles, as-tu presque la fée? Ouais, quand même. Après, moi, j'ai bien aimé Diablo 4, mais j'ai pas trouvé que... Enfin, j'ai joué à... Malgré tout, même si j'aimais bien le personnage de Lilith, j'ai pas non plus trouvé l'histoire si folle que ça. Le personnage de Lilith était assez badass, charismatique, comme on aime, mais l'histoire en elle-même... Peut-être que j'aime trop les histoires fanservice comme Lost Ark, voilà, c'est ça. PA, c'est un peu trop sur le crack quand même, Gouma. Chat devient vite chiant alors c'est les sorts. Genre, pardon, tu te plains. Ça t'aurait une belle régène. Non, merci. Bah j'estime que j'ai fini le jeu, Diablo 4. J'ai vu le générique de fin, j'estime que j'ai fini le jeu. Combien il prend de poison, Coquelicon, que je rigole? Déjà qu'on finit pas beaucoup de jeux ici. Mais ça les dégâts aussi, non? Mais il fait des drifts là. Je le tue avec une fée, t'en mordais pas au Coquelicon. Attendez, je suis pas trop en bas là. Au son, Belladone va les soigner là. Ah, ok, j'ai vraiment pas de chance. Alors, Agnès, c'est 25%. Hein. Non, non, mais justement. Ah, t'as l'arc de vache. Oui. On a vraiment une petite alors, hein. Ah non, mais attends, mais c'est une vanne. Attends, invocation d'arachné. Ah non, ça va, c'est la petite. C'est la petite sur les deux. My bad, c'est la petite sur les deux. On dit ça pour essayer de se rattraper. J'ai pas besoin de me rattraper. Ok, je descends avec. Oui. Bah, je suis obligé de me mettre là, quoi. Je peux pas avoir juste ce brancard. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah là, c'est un peu trop tard puisque je l'ai posé. Et j'ai voulu le mettre là pour pas être en... Tape-le pas, Goum. Je vais lui mettre des poisons. Tape-le pas. En ligne de vue. Tape pas. Ok. Non. Et j'ai déjà fini ma... En fait, tu m'étonnes que j'ai envie de pisser souvent. Je bois énormément. Heureusement que c'est de l'eau. Peur, ramener une copine aux arachnées ou pas ? Il reste un petit fond sur l'autre. Tu peux. Tu peux, tu peux. Voilà. Bâtard.
Wow. Ah, par contre, t'aurais pu l'invoquer vers là pour que ça puisse taper l'armiguet. Non, j'ai dit que je voulais lui ramener une copine. Non, même pas, je dois raconter. J'ai l'impression d'être en Rémi et pas en Vélanade là. Si on tue l'armuguet sans fail, après il reste qu'un fail possible sur Belladone. Pour le coup fatal. Ça veut dire que le... on finirait le donjon. Bah, je le prends avec moi en bas. Hein. Attends, il faut que tu mettes un Wasta ici. Pourquoi ? Parce qu'il est en ligne de vue, Koum. Ouais. Oui. Ok. Voilà. Bah, j'ai mis un ébène haut, j'aurais peut-être pas dû lui mettre un ébène haut. Moi, ça qui meurt en plus. Alors, la prévision me dit 1134. Moi, non, non. Fais un plus petit sort. T'as pas un chauffeur? Oh putain. Ça, non. Non, ça, y'a aucun monde. Ah, mais c'est transparent. Oh, c'est pas grave, ça. J'ai bien fait pour le tuer. Mais j'ai pas de tonneau, moi. C'est pas grave. On te mettra des arcs. Une fiole, voilà. C'est un peu... Voilà, une fiole, c'est bien. Il y a les arachnés qui vont tanker. Ouais. On va voir. Je vais bien dormir après ça. J'ai pas fait de sieste aujourd'hui aussi, hein. Donc Oh, elle a tué toutes les arachnes. Attends, parce qu'il y a la fiole. ça me perturbe. Bah, je crois que je fais le tonneau éviction, hein. Ah non, je pouvais pousser la fiole. Ou alors, non, porte le tonneau et brancard ici. Ça va pousser la fiole. T'inquiète. Nickel. Ah, et la Belladone, si tu peux la haut de villa, c'est cool. C'est mieux que vertige alors. La porte pas. C'est mieux que vertige alors. T'avais pas que on pouvait jeter à travers et que ça nous attire à travers. Ça, hein. On va faire boum, on va faire boum, boum, boum. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'elle va aller sur vous après, non? Ouais. Oh, j'aime bien ce qu'elle vient de faire. Elle est mignonne. Bon, au final, je vais juste remettre un tonneau. Ouais, tu peux passer. Ouais. Je mets un tonneau quand même, oui, je suis safe. Oui, oui. Bah, là, moi, je l'ai poison et je vais la... Bah, je vais l'ébène aussi, enfin... On joue safe quand même. Ouais, non, carrément, carrément. Mm-mm.
Moi, je veux plus prendre de risques. Bah, je pense que je rejoue pas, mais... Pas de fail. Oh, elle est pas morte. J'ai bien fait de jouer safe. Elle a vol de vie en plus. Non, c'est bon. Ok, là c'est bon. C'est réussi. Oh my god. On est tous les deux maudits avec Goom. J'en peux plus de ce donjon, je le vois. Rien droppé, hein. Pas de gros bonheur ici. Moi j'ai pas fait gaffe, peut-être on avait... Oh, en vrai, ça valait le coup de rester réveillé pour ça. Quand même. Ah, t'as les vainqueurs. Bah ouais, c'est beau. Je suis au bout de ma vie, mais... Je suis au bout de ma vie aussi. On aurait pu réussir depuis une heure. On aurait pu être au lito, mais non. Ok. Du coup, semaine pro, je sais que ça va être horrible. Et on fera pas tout en une seule fois. Mais du coup, petit drop dragonné chit-chat. Pas du drop, mais oui. Enfin, si, il faut taper le même mob, il faut qu'il repop. Il faut juste taper 8 fois le même mob sur la même map. Mais il faut avoir le chat qui il repop, quoi, lui. Ah oui, ça c'est un problème. Ouais, c'est ma notion de drop, c'était pour le côté aléatoire du repop de ce truc, en fait. Mais ouais, en mode chit-chat, on discute, libre antenne, tranquille. Mm-hmm. Je regarde juste mon emploi du temps. Faut faire ça sur combien de maps, déjà, histoire que... Ah bah, il y en a au moins 8, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il y en a 8, ouais. On fera pas... Ça va être sympa. On fera pas tout en une soirée, je pense. Hein, Ah non, ça ira. Mais je serai pas là tôt, par contre. Bah, tu me dis à quelle heure? Tu me dis. Ça serait 20h40 comme d'hab. Ouais, on pourra commencer avec Goom peut-être. En attendant. Bah, si le mob est tout seul. Je sais pas si on va aller bien loin. Je sais qu'ils ont leur petit état Lotus, mais à deux, avec des compagnons. Ah oui, mais on ira pas bien loin, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, vous commencez un petit peu et j'arriverai. Ouais. Dac. On fait ça. Ben... Non, je peux prendre le perso de Thor, tu me diras, elle en a besoin de l'effet dragon aussi. Et ben voilà, parfait. Et ben des bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ah. Et ben voilà, messieurs, dames, on va pouvoir aller dormir. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vais accepter vos requêtes de révision et je vais regarder si Zag a répondu à tout le monde.